الجلسات لات البارحه ولات اليوم خصصت من طرف المحكمه للاستماع الى الشهود الذين طلبهم المتهمون والشهود الذي طلبتهم النيابه العامه. الذي يميز الجلستين البارحه واليوم هو انه الشهود قدموا عناصر جديده في الملف تبين او تفسر بعض النقاط التي كانت موضوع خلاف، سواء ما يتعلق بمكان وتاريخ اعتقال بعض المتهمين، واحد، اثنين، ما يتعلق كذلك بالتعرف على بعض المتهمين من طرف بعض الشهود. فاذا يمكن نقولوا بانه المحاكمه عرفت واحد التحول ما بين البارحه واليوم بخصوص العناصر الجديده التي اعطيت، وبطبيعه الحال هذا الشيء قد يمكن نفصلوا فيه اكثر امام المحكمه. كما الان تتبين الحقيقه مرحله بعد مرحله. انطلاقا من البارحه اعتقد في تقديري وكنظن يمكن نكون خطا، كانت عناصر كثيره غير واضحه وقع توضيحها من طرف عدة شهود، وخصوصا شاهد أخير البارحة استمع له أعطى أسماء ووقائع ومعلومات أكيد أن متهمين نزعوا فيه، ولكن هي التصريحات التي أكدها أكثر من مرة، وأعتقد أنها ستكون أثناء المرافعات موضوع نقاش خاص. المرحلة المقبلة؟ مرحلة كنظن المحكمة ستستمر في الاستماع إلى الشهود، وستعرض التقارير الطبية المتعلقة بالتعذيب، واستمع الى محرر المحاضر الذين طلبوا المتهم. فاذا نحن في محاكمه استجابت فيها المحكمه لكل ما طلبه المتهمون. Depuis le début de la semaine nous avons commencé à entendre les témoins et il y avait des témoignages très importants. L'un des témoins avait vu reconnu une des personnes accusées. Il l'a accusé d'avoir tué l'une des victimes parmi les forces de l'ordre. C'est une grosse surprise. Et nous avons poursuivi donc l'écoute et les questions aux témoins. Aujourd'hui, il s'est avéré que l'un des accusés principaux ne se rappelle plus devant le juge d'instruction de la maison où il était arrêté par la police. Et aujourd'hui, il vient annoncer devant le tribunal qu'il a été arrêté dans une maison qui appartient à un symbole de la résistance et de la défense pour les droits de l'homme. Ce qui m'a fortement marqué, c'est le fait que les débats sont très très sereins. Il y a une espèce de respect vis-à-vis des témoins. Je m'explique, puisqu'il faut savoir que les premiers témoins ont été des victimes des faits de Gdimizik. Et j'ai vraiment loué la manière dont chaque partie a vraiment écouté avec attention des récits qui étaient parfois poignants, sans les interrompre, en évitant de créer des incidents d'audience. Et donc on est véritablement rentré dans le cœur du débat, dans le fond du dossier, et ce qui permet vraiment d'évoluer, évidemment, d'apprendre beaucoup de choses. Et je pense que chaque partie a véritablement envie de... Les témoins à charge ont-ils contribué à la connaissance de la vérité? Je dirais que tous les témoins ont contribué à la connaissance de la vérité. On a eu des victimes qui sont venues raconter ce qui s'était passé, des victimes qui ont été blessées, qui ont été traumatisées, qui ont pu parfois identifier les personnes qui leur avaient causé des séquelles. Hier, nous avons eu affaire à un témoin qui aurait vécu pendant 20 jours dans le camp et qui a pu donner moult détails, en tout cas sur l'organisation du camp, et a même reconnu certains des accusés. Donc le procès se poursuit dans de bonnes conditions. Franchement, ce sont des conditions idéales pour l'instant. C'est toujours un petit peu émaillé de certains incidents, mais je dirais que le procès Gdimizik ne serait pas le procès Gdimizik sans ces petits incidents.